Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'une BMW série 7 qui est de juillet 2019. Donc c'est une 740D qui fait 320 chevaux. Alors j'aime pas dire full option et c'est vrai que l'ensemble des BMW n'aime pas cette expression là. Mais là celle-ci elle est vraiment blindée d'options pour le coup. Et vraiment je vous la faire découvrir, vous allez voir que c'est un véhicule vraiment exceptionnel de prestige. Et je crois même qu'on se régalerait plus d'être à l'arrière plutôt qu'en tant que conducteur. Voici la clé. Je vous la présente de suite. Donc les amis, voici le vaisseau Amiral. Voilà cette série 7. Donc déjà la première chose qui peut interpeller sur ce modèle là, c'est les calandres. Alors honnêtement, c'est vrai qu'on les critique souvent quand on les voit en photo comme ça dans les réseaux sociaux. Là honnêtement, pour voir le véhicule en vrai, moi je trouve ça juste magnifique et démoniaque. Voilà, et surtout quand on les voit dans le rétroviseur. C'est juste énorme, voilà, ça donne une impression d'envie de dévorer. Donc ça le fait. Après ouais, il faut pas abuser, il faut pas mettre plus grand non plus. Sinon voilà, c'est un pack M. Donc on retrouve les boucliers M. Voilà, on a des phares avec la dernière technologie laser. Donc c'est juste un truc de fou. Voilà, elle est vraiment dans une belle configuration. Voilà, un beau gros freinage. Ces petites entrées d'air là aussi qui sont vraiment sympathiques. Voilà, hein, comme je vous ai dit, elle est vraiment blindée d'options, vous voyez. Donc on a une petite caméra qui est par-ci par-là. Un beau toit ouvrant. Elle a un capot qui est gigantesque, ça c'est clair. Donc voilà, après on a ces magnifiques feux. Je trouve que vraiment c'est... Le designer a été bon. Voilà, c'est vraiment sublime. Hein. Avec ses sorties d'échappement. Bon, le truc que je regrette moi personnellement, voilà, c'est que ce soit pas fait d'entrée. Mais bon, franchement, sinon c'est juste magnifique. On peut pas s'en lasser, c'est pas possible. Donc les amis, on va faire un petit tour de cet intérieur qui est vraiment full cuir. Il y a du cuir de partout, vous voyez, dans cette configuration là en biton, c'est juste sublime. Franchement, niveau finition là, on peut pas faire mieux. Bon, après il faut pas oublier quand même que la concurrence, c'est-à-dire les Audi A8 et Mercedes Classe S, sont aussi très très luxueuses. Mais là, on a du luxe avec la petite touche BMW quand même. Et c'est juste énorme. C'est juste énorme. Oh, regardez le tableau de bord. Du cuir étendu de partout. Là, il fait jour, mais la nuit, il y a tout qui est éclairé. C'est juste génial. Donc après, vu que c'est un pack sport, hein, pack M, donc on a le ciel de toit qui est noir. Voilà les sièges à l'arrière, présidentiels, qui sont réglables, chauffants, massants. Donc c'est vraiment juste de la technologie. Regardez, on peut monter le son, baisser le son, on peut switcher, c'est vraiment juste énorme. Voilà ce compteur, je suis vraiment très très content maintenant que BMW se sont mis un petit peu à cette électronique là. En tout cas, c'est juste magnifique. Et je vais vous faire découvrir encore les options. Vous voyez, quand on veut rouler tranquille, on peut... Donc vous voyez là, en fait c'est digital. Hein. Donc ils se sont mis un petit peu au goût du jour. Là, vous voyez ce bouton, c'est pour mettre en fait du parfum. Donc voilà, on peut sélectionner le parfum que l'on veut, l'intensité. Et là, vous voyez, de suite, ça sent bon. Ça sent vraiment une très très bonne odeur. Voilà, siège ventilé, siège chauffant. Enfin bref, on est dans une série 7. Donc, on a une option qui est sympathique aussi, les amis. Vous voyez. Donc le réglage est ici. Et en fait, je peux avancer
le siège. Voilà, vous voyez, si je trouve que j'ai pas assez d'espace, je peux avancer le siège passager. Ça aussi, c'est juste du luxe, c'est énorme. Voilà, tous les réglages sont ici. Là, il y a une bonne boîte à gants. Les amis, c'est une option, ça s'appelle l'auto-reverse. En fait, la voiture enregistre le dernier parcours donc a été effectué par le véhicule. Et si vous êtes coincé, vous appuyez sur un bouton et vous voyez, ça le fait tout seul. C'est-à-dire que le conducteur, là, il fait rien. Il n'y a rien besoin de faire. Ça le fait tout seul. Donc, si vous êtes rentré dans une ruelle et que vous n'arrivez pas à en sortir, vous appuyez sur ce bouton auto-reverse et le véhicule va faire marche arrière seul. Et voilà, donc ça enregistre le précédent parcours. Les amis, on va vous montrer une autre option. Donc vous allez voir avec la télécommande magique. Donc vous voyez, il n'y a pas de conducteur dedans, hein. C'est pas K2000. Et vous allez voir, donc on peut commander le véhicule à distance. Vous voyez, donc on l'a démarré. Et en fait, c'est très pratique si on est dans un parking et que le gars d'à côté vous a trop serré, vous n'arrivez pas à ouvrir la portière. Vous voyez, le véhicule se déplace tout seul grâce à la télécommande. Et on peut aussi l'avancer. Alors il faut toujours garder une distance, il faut vraiment être proche du véhicule. Vous voyez, il n'y a pas de trucage, il n'y a personne dans le véhicule. Et pourtant, il avance tout seul. Ça, c'est la technologie, les amis. Et ça peut être utile. Donc les amis, petite vidéo là de la B moteur qui est juste, regardez, gigantesque. Presque on croirait que le moteur est un petit 4 cylindres. Donc bon, c'est pas le cas, hein. C'est un petit 6 cylindres, 3 litres. Voilà. De nouvelle génération. Il faut savoir que sur ces séries 7, on a deux batteries. Donc on en a une grosse à l'arrière, classique. Et on en retrouve une deuxième, donc à mon avis c'est pour tout l'électronique embarquée. Il y a tellement d'électronique que ben, faut que ça suive. Donc les amis, voilà, hein, un petit tour par le coffre. Donc fidèle aux séries 7, hein, avec leur grand coffre. Le transporteur, je ne sais pas si vous vous rappelez de la scène, où on retrouve deux gendarmes dans le coffre. Ben, c'est possible dans cette série 7. Donc les amis, nous voici à bord du vaisseau amiral. Donc là je monte, c'est moi qui conduis, mais je pense que je ferai une petite session derrière vite fait. Donc pour parler un petit peu chiffres, hein, donc c'est une auto qui fait 320 chevaux. C'est un X-Drive. Alors ce qui est très très étrange quand on n'a pas l'habitude, c'est les roues directionnelles à l'arrière, directrices. Donc ça donne vraiment une maniabilité extraordinaire. Voilà, donc c'est un modèle par contre qui est affiché à 142 000 euros avec les options. Il faut savoir que rien qu'au niveau des sièges, il y a 8 000 euros d'options que pour avoir ces sièges massants avec ce cuir, ce design. Sinon, voilà, pour les options, elles sont vraiment très nombreuses, comme je peux vous le dire. Il faut savoir que la voiture a quand même voilà, une conduite autonome, des sièges chauffants, ventilés, massants. Voilà, les sièges électriques à l'arrière, pareil, ventilé, massant. Donc c'est vraiment, on est dans la pointe de la technologie. Niveau option, mis à part le volant chauffant, ben c'est tout ce qui manque. Alors après, si je vous raconte pas de ça là, normalement, quand il y a certaines options qui sont pas compatibles ensemble. Et donc en général, quand on a une version sport, on ne peut pas avoir de volant chauffant. C'est l'une des particularités chez BMW. Sinon, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? C'est un châssis, alors ça vire à plat, il n'y a pas de tangage malgré les 2 tonnes. Ça vire à plat. Et on sent pas trop le poids, honnêtement. Pour 2 tonnes, 320 chevaux, alors je vous rappelle qu'elle est accouplée à une boîte 8, 8 rapports, ZF. Qui est vraiment une référence actuelle. Je pense pas qu'on puisse faire mieux dans des boîtes comme ça à convertisseur de couple. Sinon, honnêtement, on sent rien. Voilà, là, on peut faire 2000 km sans avoir mal au dos. C'est juste énorme.
c'est juste énorme. Vous voyez, regardez, j'ai les mains, j'ai lâché les mains, j'ai mis l'option et vous voyez, ça roule tout seul. Voilà, c'est vraiment une conduite autonome, c'est juste extraordinaire. Hop, je reprends le relais. Ça, c'est vraiment agréable. Sinon, vraiment, ça boite. Hein. C'est pas mal. Hein. Vous voyez, on est vite à des vitesses illégales. Et du coup, c'est juste plaisant. Je vais passer au ralenti sous le pont. C'est juste pour que vous puissiez voir un petit peu l'éclairage d'ambiance. Voilà. Après, il faut savoir que aussi on peut régler les lumières. On peut régler les lumières. Alors, attendez, je crois qu'on n'a pas de salade. Intérieur. En fait, ouais, on peut changer les couleurs. Ouais. Ça, c'est énorme aussi. C'est vraiment de la personnalisation. Moi, pour moi, vous me direz si jamais je me trompe. Hein. Moi, je pense que BMW, mis à part quelques petits soucis, alors je dirais de finition ou voilà pour s'adapter au look actuel, il manquait rien. Il manquait simplement cette petite touche de nouveauté, d'innovation que par exemple Audi a su faire en intégrant voilà, des lumières à l'intérieur des véhicules, des choses qui sont un petit peu plus design. Là, je pense que BMW est vraiment au goût du jour. Donc, c'est-à-dire que c'est une marque qui est complète avec voilà, leur 6 cylindres en ligne qui est extraordinaire, surtout en diesel, et avec la technologie d'aujourd'hui et de la concurrence. Notamment voilà, quand on voit un compteur comme ça. Je sais que beaucoup dénigraient BMW par rapport à ses compteurs, alors qu'au final, au jour d'aujourd'hui, moi je trouve pas de défaut. Je trouve pas de défaut. Certains vont dire peut-être les calandres un peu abusés devant, mais sinon ça va, franchement. Pour moi, c'est juste sans faute. Donc, les amis, j'ai décidé de me faire conduire par un chauffeur qui ne porte pas de costard, mais une casquette. Chauffeur, tu peux t'arrêter s'il te plaît? Regardez les amis, c'est pour ça que j'ai décidé donc de monter à l'arrière et de vous montrer les petits détails de nuit qui font vraiment leur effet et franchement je kiffe. Je sais pas vous, donnez-moi votre avis, de quelle couleur vous mettrez-vous l'intérieur? Quelle couleur tu le veux chauffeur l'intérieur? Ah, n'importe quelle couleur hein. Allez. Allez lila. C'est magnifique. Voilà, c'est magnifique. Et j'en profite pour activer, vous voyez, mon store. Voilà, je veux pas être ébloui par le soleil. Chauffeur, vous pouvez reprendre la route. C'est parti. Donc les amis, je vous donne vraiment mon ressenti à l'arrière. C'est une vraie limousine. On sent rien du tout, c'est hyper silencieux. Aucune vibration, c'est juste énorme. Alors c'est vrai que je suis pas du tout habitué aux limousines, ce genre de gabarit. Je ne sais pas du tout ce que vaut une Audi A8 ou une Classe S. Mais là, tout ce que je peux dire, c'est que c'est un parcours sans faute. On est bien dans les sièges, on est super confortable. C'est super relaxant même. Et voilà, on a juste envie de dévorer la route, le bitume. Et là, c'est vraiment fait pour ça. Donc, à la rigueur, si vous n'avez pas l'occasion de monter derrière, achetez-la au moins pour vos enfants. Et je peux vous dire qu'ils vous diront merci. Après, si vous aimez votre belle-mère, n'hésitez pas à l'acheter aussi. Ça, elle pourrait être très, très, très contente. Blague à part. Mais voilà, sinon, franchement, je recommande vraiment ce véhicule. Au prix où il est affiché, c'est normal. À presque 140 000 euros. Mais vous voyez, on est à l'arrière, on sent rien du tout.
Oh, c'est... En fait, on se régale autant de la conduire que d'être un passager à l'arrière. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Ça nous aura donné donc l'occasion de découvrir une série 7, qu'est-ce que c'est. Et puis surtout avec la technologie d'aujourd'hui. Je pense que si Tupac était vivant aujourd'hui, c'est la voiture qu'il choisirait. Ça, c'est à part. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà les amis, prenez soin de vous et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao!